design en quelques mots. Qu'est-ce que c'est ? Waouh. Alors, imagination, créativité, précision, amener du fun et de l'émotion dans l'interactivité, ouverture et expérience. C'est l'art de comprendre le joueur. Le game design, c'est vraiment le métier qui est spécifique aux jeux vidéo. On a des programmeurs dans tous les autres, dans plein d'autres domaines, des graphistes aussi, dans la pub, le web. Le game designer, il peut travailler que dans le jeu vidéo. Si demain, il n'y a plus de boîte de jeux vidéo en France, faut que je change de métier. Le game design, c'est simple, c'est établir les règles du jeu, les concevoir, élaborer vraiment dans les moindres détails ce que devra faire le joueur pour gagner, ce que devra éviter de faire le joueur pour perdre. Ils définissent la base du prototype, ils définissent toutes les règles en fait, tous les comportements, les actions, les interactions, les règles de signes et de feedback. Donc le game designer prépare ça en amont, toutes les règles, toutes les actions, les interactions, de manière à ce que l'ensemble du jeu soit le plus cadré possible, avec des... aussi en termes de volume pour le jeu, des gabarits, savoir que le saut fait telle hauteur, le personnage va à telle vitesse, donc des gabarits d'objets, ainsi de suite. Alors il y a une idée qui est une fausse idée qu'on entend souvent à propos du game design, c'est que le game designer, c'est un petit peu comme le réalisateur d'un film. C'est pas du tout le cas en fait, c'est complètement faux. Déjà parce que le game designer n'est pas du tout la personne qui est le plus en haut de la hiérarchie. En général, en haut d'un projet, on a évidemment, mis à part le chef de projet, le producteur, on a un directeur créatif. Et donc, le game designer, de la même manière qu'un graphiste sert la vision du directeur artistique et donc du directeur créatif en faisant ses graphismes qui vont dans ce sens-là, le game designer sert la vision du directeur créatif du point de vue de l'expérience du jeu. La deuxième fonction du game designer, c'est tout ce qui concerne l'interface, les UI. C'est de faire attention à ce que le joueur puisse avoir des feedbacks de ce qui se passe, de l'état du jeu, clair, et que le joueur puisse les comprendre, et qu'à l'inverse, il puisse facilement donner des ordres au jeu. Pour les anciens joueurs, finalement, il suffit de donner comme exemple les tout premiers Zelda et jusqu'au dernier, où quand la barre de vie va être en dessous d'un certain seuil, un signal sonore va alerter le joueur. Ça, c'est clairement une décision de game design qui est de dire, bon, là, il est sur le point de mourir, il lui reste deux cœurs, faut un, prévenir le joueur, et puis deux, lui mettre un peu la pression. Le troisième espace de compétence d'un game designer, c'est tout ce qui est échelle de motivation et psychologie du joueur. Donc je dirais, l'exemple le plus parlant de ça, c'est la mécanique, la fameuse mécanique du ladder dans tous les MMO. C'est comment est-ce qu'on va régler l'expérience et les rewards que le joueur va, les récompenses que le joueur va obtenir pendant le jeu pour lui donner envie d'aller au niveau supérieur. Le métier du game designer, c'est à la fois d'inventer ses règles, de concevoir vraiment le jeu, et puis surtout de communiquer avec tous les autres corps de métier pour simplement transmettre cette vision, construire l'univers avec eux et puis s'assurer que tout ça fasse un tout cohérent. Voilà. Le game designer, à travers le déroulement du jeu, le développement, il va vraiment intervenir du début jusqu'à la fin, quoi. En début, il va donc faire tout le... S'il y a une pré-prod, donc travailler à fond sur la pré-prod, à faire les prototypes. Un game designer, alors ça a des documents, tout un tas de documents. Il a un gros répertoire de documents. Il peut aussi bien faire des prototypes d'interface, des tableaux Excel en répertoriant toutes les armures du jeu avec leurs effets, etc. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de documentation à rédiger parce que cette documentation va devenir ce qu'on appelle ensuite la bible du game design. En fait, la bible du game design, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces idées qu'on a, dont on va discuter ensemble. C'est essayer de faire un document qui va en quelque sorte les poser par écrit, les poser sur papier, pour vraiment définir une ligne claire pour tout le monde. Ça commence par la conceptualisation de son idée, en partant sur un principe d'accessibilité, donc sur ce qu'on appelle les 3 C, qui sont les contrôles, les capacités du personnage principal, le cas échéant, parce que ça peut être un véhicule ou autre chose, et l'utilisation de la caméra.
Dans la Bible, on a autant les contrôles aux différentes manettes que les explications de l'interface. Donc là, on a des prototypes d'interface donc, qui sont très moches encore. Mais... Ça, c'est la liste de tous les objets qu'on va trouver dans le jeu, avec les endroits pour nous, pour qu'on s'en rappelle, les endroits où on les trouve, puis toutes leurs caractéristiques. Ça nous permet par exemple de voir qu'on n'a pas mis deux fois la même pièce d'armure, on doit en trouver qu'une seule fois et qu'on ne l'a pas mis à deux endroits différents. Une Bible Game Design par exemple, ça peut autant faire 40 pages que ça peut en faire 500, ça dépend de la production en fait. Alors en production, le GD finalement devient un peu gardien de cette Bible, c'est-à-dire s'assurer qu'elle est respectée et en même temps être capable de l'adapter parce qu'il y a peu de Bibles qui tiennent jusqu'au bout de la production, il faut forcément changer des choses. Je pense qu'une mécanique, ça se teste de manière pragmatique, ça se sent, ça se ressent. Et une fois qu'on a ce ressenti, on demande à l'équipe, au reste de l'équipe de l'implémenter, on obtient l'assentiment du reste de l'équipe. C'est quelque chose qui était utilisé allez, jusqu'à il y a 5 ans encore, on voyait quelques studios qui utilisaient ce genre de documents monolithiques. Et finalement, ces documents-là, c'est des documents qui font plaisir uniquement aux gens qui les écrivent. Ça sert à rien, parce que personne n'a envie de lire un document épais comme ça pour trouver juste le petit bout qui l'intéresse. C'est très difficile à maintenir, mais la Bible de game design de nos jours, la plupart du temps, c'est plein de petits documents à droite à gauche. Ça peut être un wiki, ça peut être parfois même un forum, ça peut être des petites fiches, voilà. Mais le concept de Bible comme un document monolithique, c'est quand même un petit peu quelque chose du passé. On est souvent seul devant sa feuille lorsqu'on écrit le game design, mais après on confronte aux autres. Après on est obligé de le montrer aux différents leads, donc graphistes ou programmeurs, qui nous donnent leur retour et qui aussi peuvent nous apporter leurs idées. Alors un bon game designer, il doit être très réactif par rapport à la production parce que il faut qu'il soit intégré dans l'équipe, qu'il soit au courant des problématiques des autres corps de métier, du temps de production, du budget, etc. D'ailleurs, dans le métier de game designer, je pense aussi qu'il faut connaître aussi un peu de programmation et un peu de graphiste. C'est aussi très important pour pouvoir justement discuter avec eux. Si on ne sait pas du tout comment on code, si on ne sait pas du tout comment on fait des animations, comment ça se passe en 3D sous Max ou d'autres logiciels, on est vachement plus limité. Que ce soit pour communiquer avec un programmeur ou avec un dessinateur, si tu arrives à dessiner quelque chose, ou si sur un programmeur tu peux lui montrer techniquement comment faire, même si tu ne sauras pas le faire exactement, mais au moins avoir une notion, une idée de comment le faire. En gros, il y a des choses plus ou moins faisables au niveau code, au niveau graph, et game designer doit vraiment avoir de très bonnes notions à ce niveau-là. Il faut que le game design en fait se construit aussi sur les difficultés de la production et de la façon dont on réagit au problème. C'est-à-dire que normalement, il doit tout le temps être en train de travailler sur le prototype, il doit tout le temps être en train de tester son prototype, il doit tout le temps être en train de faire tester son prototype. Il y a souvent des bonnes surprises comme des mauvaises, parce qu'encore une fois, le métier de game designer, c'est écrire sur le papier, donc c'est très théorique. Après, on est confronté à la réalité et des fois, ce qu'on avait prévu sur le papier, ça ne marche pas forcément très bien. Sur les Lapins Crétins Retour vers le passé, il y a toute une série de mini-jeux où, avec les deux mains, on contrôle des ailes et on fait voler un lapin comme ça. Et donc, sur ce contrôle-là, on était parti au début sur quelque chose qui pouvait vraiment s'apparenter à du pilotage fin, donc c'est-à-dire qu'au niveau des réglages des valeurs qu'on avait données sur les pads, il fallait vraiment être très très fin dans ses mouvements. On avait tout un tas d'idées pour faire des vrilles et des loopings et des choses très avancées comme ça. Donc on avait réglé tout ça et puis simplement en faisant des tests, on s'est aperçu que tout ça c'était très bien, mais nous on y arrivait parfaitement parce qu'on l'avait fait et puis la plupart des gens n'y arrivaient pas. Donc simplement, on est revenu à la planche à dessin et on s'est dit ok, tout ça c'était sûrement très bien et ça aurait sûrement sa place dans un jeu qui est destiné à des joueurs beaucoup plus avancés, mais bon, là ça va pas. Donc ça veut dire qu'on a repris ces valeurs-là, qu'on s'est posé la question, cette vrille, au niveau du gameplay, qu'est-ce qu'elle apportait? Le joueur, quand il le faisait, qu'est-ce que ça lui apportait en plus? Quel type de défi supplémentaire, de challenge supplémentaire ça lui apportait? Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas recentrer ce challenge plutôt sur le pilotage en lui-même, qui est quelque chose qui
peut se prendre en main, qui n'a pas besoin d'apprendre de nouveaux contrôles. La vrille, c'est un contrôle supplémentaire. Donc on se dit, avec moins de contrôle, comment on peut garder cette notion de challenge intéressant de pilotage. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment un problème de design. Et c'est des problèmes de design qu'on rencontre souvent sur les lapins. Moi, je tablais beaucoup sur un jeu. Sur un mini-jeu qui consistait à... que j'avais repris en fait sur un jeu flash qu'on trouve sur le net qu'on appelait nous l'homme bourré, qui consiste à faire pencher la vidéo à droite ou à gauche. Plus on avance, plus le mec est bourré, plus il penche. Là, on a repris ça dans Hysteria. Le scénario, c'était qu'on sortait d'expériences scientifiques. On était imbibé de drogue, donc on avait la vision aussi qui commençait à pas bien, à un peu partir dans tous les sens. Donc on se penchait à droite et à gauche et on devait rectifier le tangage de l'image avec son doigt à gauche ou à droite. Et il s'est trouvé que ce mini-jeu-là était relativement dur. En plus, pas de chance, on l'a mis plutôt en début de jeu. Donc là, on est encore le prochain patch qu'on va sortir va régler encore un petit peu ça. Nous, dans Soul Bubbles, on avait une problématique qui était qu'il y a deux écrans sur DS et on utilisait tout l'écran du bas pour la manipulation de la bulle et le jeu proprement dit, et on mettait toutes les informations de jeu en haut. Le problème, c'est que parfois, on avait besoin de signifier des choses claires au joueur pour lui expliquer ce qui se passait, pour le guider, mais quand on les affichait sur l'écran du haut, le joueur ne les voyait pas. Et c'est pour ça que dans Soul Bubbles, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un message important dont on veut être sûr que le joueur le voit, on fait descendre l'écran du haut vers le bas. Il se met à déborder sur l'écran du bas et le joueur est obligé de valider le message pour que l'écran remonte. Donc ça, c'est une problématique d'interface. Sur la première scène du jeu qui s'intitule Happy Birthday, une scène où le héros du jeu, Ethan Mars, s'occupe finalement de sa famille, de ses enfants, et une scène qui est extrêmement importante parce que elle a pour but d'expliquer aux joueurs comment jouer, comment prendre en main le jeu. Il faut savoir que c'est une scène qui a énormément évolué avec le temps. Par exemple, au départ, la maison de Ethan n'avait qu'un seul étage, et tout se passait au rez-de-chaussée, et le jeu devait débuter sur Ethan à sa table à dessin. Et David Cage, donc game designer et PDG de Quantic Dream, s'est vite rendu compte que ça suffisait pas pour poser l'ambiance, pour expliquer les contrôles, mais en même temps présenter le personnage, parce que cette scène avait vraiment cette double vocation à la fois d'enseigner à jouer à Heavy Rain et de faire une exposition finalement des différents personnages. Et donc a pris la décision de rallonger cette scène. Et surtout de séparer finalement, un peu en deux parties quelque part, la notion d'apprentissage. Et c'est pourquoi on a rajouté un second étage où Ethan Mars, dans sa chambre à coucher, se réveille. Ensuite, qui peut aller jongler dans la chambre de ses enfants, qui peut s'accouder à sa balustrade. Autant de petites actions qui enseignaient comment jouer pour qu'ensuite la rencontre avec la femme d'Ethan Mars, la rencontre avec ses enfants, ne soit pas parasité par l'apprentissage du jeu et que l'exposition puisse se faire correctement à ce niveau-là. Donc c'était un choix un peu audacieux et très pertinent qui a été fait vraiment assez tard dans la production et qui a nécessité une refonte complète de la scène à un moment où, voilà, où on luttait toujours pour faire les choses à temps. Les jeux dernièrement ont beaucoup évolué, ça c'est évident. Déjà parce qu'il y a un nouveau public, enfin, on a élargi le public alors qu'avant, il y a 20 ans, c'était des joueurs très hardcore. Et surtout, les jeux étaient très courts en fait. Enfin, tu regardes un jeu Mega Drive comme un Sonic, ça durait en ligne droite une heure et encore une heure. Voilà. Donc il fallait que le jeu soit dur, qu'il n'y ait pas de sauvegarde, parce que quand tu mourrais, tu recommences depuis le début, pour que tu puisses y jouer un petit peu longtemps, qu'il y ait du challenge en fait. Donc artificiellement, on rallongeait un peu la durée de vie. Mais même, comment s'adresser à un public de joueurs assez exigeants et puis surtout très hardcore qui étaient prêt à mourir souvent, on ne se posait pas la question. Mais le grand public, il a complètement redistribué les cartes, ne serait-ce qu'au niveau des consoles. La Wii, elle a aussi complètement redistribué les cartes en termes même de game design. Ce qu'on nous demande de faire maintenant, il y a 10 ans, c'était incroyable. On met surtout en avant le fait de tu vas jouer et finir le jeu comme si tu lisais un livre, comme si tu regardais un film. Moi, je me souviens la première fois que mon chef, il y a quelques années, m'avait demandé
que je fallait que je fasse un platformer, si je me rappelle bien, que le personnage ne meure pas, pour moi c'était incroyable. Imaginez, essayez de jouer à Rayman aujourd'hui, qui a très bien marché à l'époque, mais on se rend compte aujourd'hui, le premier, que si c'était à refaire aujourd'hui, on le ferait différemment. On le ferait certainement beaucoup plus facile. Les game designers maintenant sont amenés à travailler pour le grand nombre, mais aussi pour leur plaisir personnel. Des exemples, c'est les jeux comme Mario par exemple. Si on veut faire le walkthrough normal, c'est très facile de finir le jeu. C'est très compliqué d'avoir toutes les pièces ou toutes les étoiles. Ce qui est bien, c'est qu'on fait des jeux à deux vitesses. C'est-à-dire que finir le jeu, un jeu Ubisoft à finir, il sera très simple. Par contre, un jeu Ubisoft, tu devras faire tous les succès, tous les trophées et choper tous les secrets. Ça sera extrêmement difficile. Et là, on va vraiment toucher un public de hardcore gamers qui, eux, vont chercher à faire le jeu à 100%. Alors qu'un core gamer, s'il veut juste chercher à finir le jeu simplement, il y arrivera sans trop de difficultés. Donc ça, c'est intéressant. C'est une des voies qu'on a prises, c'est de dire dans nos jeux, on va faire un jeu à deux vitesses, en fait. Par exemple, un jeu qui m'a relativement épaté, qui est simple, mais qui est vraiment bien pensé, c'est Cut the Rope, par exemple, qui est sur iPhone. C'est parfait. Ils ont tout compris. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très simple. Au niveau de la finition, c'est parfait. Bon, il n'y a pas de bug, il n'y a pas... La mécanique est parfaite. Tout le monde peut la comprendre. Au niveau de l'interaction, tout se passe au touch, c'est très facile. Encore une fois, de 7 à 77 ans, on peut comprendre le jeu. Et il y a ce côté un peu challenge, un peu ce qu'on retrouve dans Angry Birds, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des niveaux qui sont un peu plus compliqués et qui peuvent satisfaire des joueurs un peu plus confirmés. Et il y a aussi l'évolution en termes de contrôleurs. Les contrôleurs amènent des nouveaux gameplays. Donc, je suis convaincu pour l'instant, par exemple, Kinect, force est de constater que pour l'instant, les jeux qui sont sortis, c'est bien fait, mais c'est pas génial, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, c'est un nouveau concept et c'est une nouvelle manière de jouer. Donc, je suis convaincu que d'ici peu, il y aura certains game designers qui vont trouver des nouveaux gameplay, en fait, des nouvelles façons de jouer et probablement qui amèneront ce contrôleur à être un petit peu plus agréable et des jeux qui seront à même de récompenser l'envie de joueurs peut-être un peu plus hardcore que super casual. En fait, le game designer est perçu différemment. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, mais il y a beaucoup de programmeurs qui, même si c'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais il y a pas mal de programmeurs qui prennent un peu de haut parce qu'eux, ils sont très logiques, ils ont eu beaucoup d'études, vachement intelligents, etc. Ça arrive avec d'autres personnes, etc. Mais après, c'est une question de personne, c'est pas vraiment une question de métier. Mais nous, on est un petit peu, entre guillemets, les petits branleurs. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais on est un peu les petits branleurs parce qu'on n'a pas vraiment de bagage, on n'a pas vraiment d'études. On arrive avec nos idées et on apprend au final sur le tas, quoi. Depuis quelques années, il y a beaucoup de formations qui ont ouvert en France. Donc, où là, voilà, on a formalisé des autodidactes qui étaient dans ce métier depuis quelques temps, qui avaient commencé à développer des techniques, notamment chez Ubisoft, où ils ont formalisé ça assez vite, mais même chez Nintendo, ça a été parmi les premiers au Japon à vraiment formaliser des techniques game design, qui sont venus transmettre des techniques, en tout cas, parce que moi, j'étais étudiant, j'ai suivi une formation comme ça. Moi, de la manière dont je le renseigne, c'est beaucoup de théorie au départ, c'est beaucoup de notions à intégrer, et ce sont des notions qui vérifient, en fait, sur des jeux. Ensuite, on fait des analyses de jeux, ainsi de suite. Et après, ils pratiquent eux sur des petits prototypes de jeux qu'ils vont faire en Flash ou sur Virtools. Et en deuxième année, ils ont un vrai gros projet à faire où là, ils mettent à défaut, des fois, les principes qu'eux, ils ont en tête au moment où ils le font, parce que le principe, c'est aussi de remettre en cause à chaque fois qu'on a une idée. Moi, pour les jeunes game designers qui sortent d'école, ils sont souvent très impressionnants. Ils ont souvent l'école française, c'est-à-dire que c'est d'un niveau relativement élevé. D'ailleurs, ils sortent tous à Bac plus 4, Bac plus 5, si c'est pas plus, des fois. Mais je trouve ça super théorique, ça part souvent dans tous les sens. Je pense qu'un bon game designer, il n'est jamais bon dans ses premières années. Il a besoin de travailler des projets, il a besoin de rencontrer certains écueils, de se rendre compte que ce qu'il pense fatalement, bah, ce n'est pas la meilleure idée du monde. Parce que bien souvent, c'est ça, un game designer, quand il arrive, il a un melon énorme, il a un ego très, très prononcé. Donc la première étape, c'est vraiment de dégonfler tout ça, de revenir, on va dire, de repartir de zéro et de se dire « Bon, ok, je suis vraiment pas le meilleur du monde, mais par contre, qu'est-ce que je peux apporter là-dedans et comment je peux faire mieux, en fait ?» Il y a une réalité. La taille, le budget qui nous est alloué, ce qu'on peut faire, la plateforme sur laquelle on va faire le jeu. Et ça, il faut connaître tout ça lorsqu'on crée le game design. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, souvent chez les jeunes game designers, c'est normal, on a envie d'avoir le plus beau jeu, le jeu qui fait le plus de choses, on veut le plus, quoi. Mais ça, c'est pas possible.
à la fois être très rationnel, être capable de faire le tri entre ce dont on a envie soi et ce qui est utile pour le joueur ou ce qu'il faut donner au joueur. C'est pas de la théorie pure, c'est pas de l'arithmétique, c'est vraiment du ressenti, je pense, c'est de l'expérience. Il faut pratiquer, voir, étudier les autres jeux aussi, beaucoup. Un bon game designer, c'est avant tout, pour moi, quelqu'un de curieux et d'ouvert, en fait. Vraiment pas, faut pas être refermé sur juste le jeu vidéo. Parce que si t'es game designer et que t'adores les jeux vidéo, que t'as joué aux jeux toute ta vie et que tu vas pour faire du jeu vidéo, bah tu vas faire du jeu vidéo sur les jeux vidéo. Et c'est pas forcément un problème, mais c'est dommage, ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a des gens qui sont très contents de se spécialiser dans un domaine et qui vont devenir les champions du RTS et qui vont tout savoir des RTS et qui vont avoir une culture délirante sur le sujet. Mais si on a envie de vraiment faire du game design créatif, de trouver, de chercher en tout cas des nouveaux espaces de jeu, alors il faut savoir se détacher un peu de tout ce qui a été fait et aller puiser ses expériences plutôt dans la vie. Si tu as de la culture générale, si tu t'intéresses à des choses totalement différentes, on a en tête le cas d'Éric Chahi qui s'intéresse de près au volcan. Et voilà, ça a apporté clairement quelque chose à sa dernière production sur laquelle il travaille en ce moment, où il s'inspire finalement d'une autre expérience. Et ça, je pense, c'est peut-être l'essentiel. Tout le monde a forcément des idées, particulièrement les joueurs. Moi, je ferai un parallèle un peu avec les sélectionneurs de foot. Tout le monde pense être sélectionneur de foot. Tout le monde a une idée de quelle équipe il faut composer. Après, l'expérience d'un entraîneur de foot, elle n'est pas la même que le type qui parle sur qui il faut remplacer dans son bar avec ses copains. Parce qu'une idée, ouais, en soi, elle ne vaut rien. Enfin, tout le monde peut avoir des idées. Par contre, c'est la concrétiser, la réaliser, faire un jeu qui exploite cette idée et surtout un jeu qui réussit. Parce que tu peux avoir une excellente idée, enfin. Il suffit de regarder, enfin, de base Mario, c'est juste un personnage qui saute, c'est une bonne idée en soi, mais c'est pas grand chose. Par contre, ce que Miyamoto, donc, qui était game designer dessus, a réussi à insuffler, c'est vraiment une jouabilité qui était au poil, c'est une lisibilité, il y avait aussi un univers, du renouveau, des premières notions de level design avec une courbe de difficulté qui était là. Enfin, tu peux avoir une très bonne idée, mais si techniquement tu la réalises mal, si jamais tu fais pas du bon polish dessus, si tu ne la peaufines pas, jamais tu la travailles pas, et surtout si tu ne la testes pas auprès de joueurs qui connaissent pas le jeu, si tu ne te remets pas en cause constamment, ça servira à rien. Le game design, c'est plein de choses, c'est plein de micro-décisions, et on ne va pas toutes les avoir justes. Aucun jeu n'est parfait. Chaque jeu pourrait être amélioré. Faire un jeu, c'est partir d'un petit embryon et le faire pousser. Et on le fait pousser, on l'améliore, on taille, on coupe, l'arbuste grandit. Et puis à un moment, on décide, bon, bah, ça y est, il est suffisamment grand pour qu'on le montre aux gens et qu'on le leur donne. Mais on peut toujours le faire grandir plus, on peut toujours l'améliorer, c'est jamais fini. On pourrait toujours pousser le jeu un petit peu plus loin. Donc tous les jeux ont des défauts, même les meilleurs. Tous les jeux pourraient être poussés un peu plus loin s'ils avaient un peu plus de temps, même les meilleurs. Le problème, c'est de trouver un stade où c'est suffisant pour que les gens y prennent du plaisir.